Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, petite vidéo prank, je pense que vous allez kiffer celle-là parce que celle-là, on l'a jamais faite sur la chaîne. Donc vous mettez un maximum de likes, vous me donnez des idées pour de prochains pranks. Cette idée-là, elle vient de Zantar. Merci à toi Zantar pour ton message, je vais essayer de la faire. N'oubliez pas, pétez-moi la barre des likes, commentez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. J'espère que ce prank va vous plaire. L'IA, elle est en train de se taper le montage d'une bonne vidéo qui sortira normalement ou qui est peut-être sortie. En tout cas, ne ratez pas aujourd'hui, comme d'habitude, trois petites vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Bref, je vous explique à quoi consiste le concept. Vous connaissez le concept un petit peu? C'est de prendre un manche à balai, de bloquer quelque chose de fragile en haut avec le manche. Et donc forcément, bah, si tu lâches le manche, qu'est-ce qui se passe? Le truc fragile, eh ben, il explose par terre. T'as tout compris. Donc on va foutre l'IA dans la merde avec ça. Bougez pas, regardez comment je vais la foutre dans la merde. Attendez. Bougez pas. Je vais prendre ça. Donc vous voyez, c'est fragile. Je vais le bloquer en haut. Et je vais le tenir avec le manche à balai. Comme ça. Et je vais le tenir. Et si l'IA, bah, elle lâche, bah, ça va péter quoi. D'accord. Bougez pas. Lia, j'ai besoin de toi là. Wallah, c'est pas une araignée. Wallah, c'est pas une araignée. Viens me tenir ça. C'est quoi? Mais tiens, tiens bien, non mais tiens, tiens dans haut là, tiens dans haut, débile, tu vas te faire tomber. Mais tiens bien, sans ça glisse. Tiens bien. T'es parfaite comme ça. Putain non. Attention, 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 ça va tomber. Ça va tomber, fais attention. Attends, ça va tomber. En plus, il y a des croquettes dedans. Abdel, voilà, je vais pas tenir longtemps. Ouais, mais voilà. Dis moi, ça va tomber, regarde, tu glisses là. Tu glisses. Oui, ouais, je tu glisses. Je sais. Le chien. Tu glisses. Tu glisses. Ah, non, non, Mirza, non. Non, arrêtez, arrêtez. Ça va tomber, ça va tomber. Voilà, ça va tomber. Voilà, t'es bien comme ça ou quoi? T'es bien comme ça ou pas? Quoi? Je vais te niquer, putain. C'est son tarquiste, t'es bien. Voilà, ça va tomber. Ah, tu restes comme ça, t'es belle comme ça. T'es bien comme ça ou pas? Aïe, aïe, ça va y tomber. En plus, moi, le truc, c'est que moi, je suis assez grand pour aller. Allez, je rigole, c'est pas vrai. Allez, faut que tu restes comme ça. Il faut que tu restes comme ça. Aïe, 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 aïe. C'est bon, lâche, c'est bon. Arrête, bébé, prends-le bien. Aïe, bébé, arrête, me tape pas. C'est de merde, putain, j'ai vraiment pris. Oh non, j'ai trop bien rigolé. Bon, la famille, tu sais, faut qu'on fasse à qui ça? Wallah, faut le faire à ma mère ça. Wallah, faut le faire à ma daronne. J'ai pleuré de rire tellement. Ah ouais, laisse tomber. Regardez ça. Bref, alors, qu'est-ce que tu penses de ce prank? De ce petit prank? C'est vraiment un prank de merde. En plus c'est dangereux parce qu'il y a les chiens et tout pour moi donc. C'est pas pour toi que je m'inquiétais, c'est pour les chiens surtout. Quoi? J'aurais lâché. Mais toi tu te serais reculé en arrière, toi c'est rien. Toi t'aurais pas eu le truc, tu vois, même tu tiens le manche. Ouais mais attends, c'est recules. Du verre hein. C'est du verre son truc. Ouais mais même tu tiens le manche, tu recules. C'est pour les chiens, toi, j'ai eu peur. Et en plus, toi, t'as eu double défi parce que les chiens, j'aurais dû sauter dessus. Bah, regardez les Américains. Me sauter dessus. Mes American staff, ils lui sautaient dessus et tout, donc c'était un peu compliqué. Hein? C'est vraiment pas drôle, j'ai eu le manche. Or là. Tu ne manges pas dans la gamelle à ta soeur, c'est pas la tienne celle-là, Fifi. En même temps, bon, elle a fini sa gamelle, donc tu me diras, hein. Bon, bah vas-y, putain de plaisir. Et toi, la grosse? Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Antar, merci beaucoup, Antar. Et hier, t'aurais dû m'écouter. Les gars, écoutez, moi, je fais jamais de pronostics, je fais jamais de paris sportifs, j'en fais pas, d'accord? J'en fais jamais, j'en fais pas. Mais hier... En fait, j'ai mon pote Zantar, vous le connaissez, il est passé souvent sur la chaîne et tout. Je lui dis, fais un prono. Wallah, je lui dis, fais un pronostic. Paris, Balotelli. Je lui dis, tu paries, hein. C'est moi qui te le donne ce pronostic. Tu paries, tu mets que Balotelli va marquer un but et que Marseille va gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Merci. Il aurait parié, écoutez bien pourquoi il a pas parié, hein. Il devait parier
et il est juste parti à la boulangerie. Du coup, il n'a pas eu le temps de le faire. Mais s'il aurait parié, vous savez combien il aurait pris? 2700 euros, grâce à moi. Bref, en tout cas, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. À très très bientôt, et puis j'espère que vous avez bien rigolé. Salam tout le monde, merci beaucoup, et puis j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des idées un peu dans ce style-là, n'hésitez pas à nous les faire dans l'espace commentaire. Et vous les abonnés, bah, n'hésitez pas à les liker pour qu'on les voit un peu plus haut. D'accord? Salam tout le monde, prenez soin de vous, d'Amifa, ciao! Jamie!